Bonjour, bonne rediffusion à vous YouTube, bienvenue. Et puis là, on est parti pour la suite. D'accord. Tout va bien. Alors. Non, apparemment ça marche pas ici. On va aller voir si on trouve les fleurs. Salut. Tu m'appelles? Lucie. Ah oui, la fille d'Eris. Je peux vous poser quelques questions? Des questions? Les enfants devraient se concentrer de jouer innocemment. Laisse les questions aux adultes, ma petite. Je sais que la forêt est dangereuse, je ne compte pas y aller, mais je me demandais à quoi elle ressemble vraiment. Ah, c'est vraiment ça les préoccupations des jeunes de nos jours. Je me disais que si j'en savais plus, je serais moins en danger. Ce sont des choses qui te concernent pas, ma petite. Contente-toi de respecter les règles et tout ira bien. J'ai vécu ici toute ma vie et les choses sont toujours fonctionnantes ici, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous savez à quoi ressemble le monstre? Ça fait peur comment je lis mal aujourd'hui. Et on vient de commencer. Hein. Que, jeune fille, c'est pas un sujet à approprier. Mais je veux en savoir plus, les monstres ont enlevé ma maman et... Bien sûr, je comprends, mais... Ceci est inutile, ma petite. Je ne peux pas faire le tour du village et ennuyer les gens avec tes questions. Tu n'es pas la seule à avoir perdu quelqu'un de cher. Ça vous est arrivé ou vous aussi? Voilà, c'est précisément ce genre de questions qu'il ne faut pas poser. Pardon. Oublie pas, petite. Les règles nous protègent. Ceux qui ne les respectent pas disparaissent définitivement. Tu finiras par l'accepter si une personne disparaît, c'est de sa faute. C'est pas vrai. Maman a jamais rien fait de mal. Petite idiote, monte pas le ton. Ouh, cool ça! Repos jusqu'à mardi matin. Eh bah, profite bien ça, en tout cas. J'aime le bruit blanc de l'eau. Cette rivière date de mon enfance. Je suis contente que malgré les années qui passent, le village soit toujours comme ça dans le temps. Les gens, eux, ne sont plus là. Comment ça? J'ai vu de nombreux visages postés sur les murs au fil des années. Pourquoi est-ce que on affiche les personnes disparues si on ne parle pas à leur recherche? Non, non. Les affiches sont pas là pour qu'on les recherche, mais pour que nous sachions qui a disparu. Mais est-ce qu'on a déjà essayé? Seuls les idiots essayent et ils retrouvent le destin qu'ils méritent. Ils disparaissent aussi en proie aux monstres.
T'as prévu quoi de beau pendant ta pause? Pendant ton petit repos? Qu'est-ce que tu nous as prévu de beau, Sam? Moi, je vois la fleur là-bas. Bon, je suppose que le boulanger est pas revenu, du coup. Si j'étais une chèvre, je volerais toute cette paille. Mais j'en suis pas une, donc j'y touche pas. Halte là. Toujours à monter la garde, Perle? Bien sûr, je suis le meilleur. Ils t'ont encore viré de leur jeu? Oui, je suis le meilleur à ça aussi. Bref, je dois rester ici, donc tu passes pas. Il t'a prévu qui quoi? Attention, c'est parti. Non, du coup, ça va pas ça. Ça va pas non plus. C'est pas bon. Ça va pas aller. Ah non, je suis pas passé là-bas. Tac, 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 tac. Ça va pas. Samedi matin, les courses. Oh là là, quel courage. Comment ça, j'aime pas aller faire les courses? Bien sûr que j'aime pas. Bon, il va falloir que je trouve une solution là. Ça va pas non plus. Pas.
Mais non, je suis toujours coincée. Ça y est. Et tu vas nous geeker quoi? C'est quoi ton projet de joujou pour le moment? Idiot. Idiot Jay, pourquoi est-il aussi autoritaire? Hein? De quoi tu parles? Il voulait me punir parce que je l'ai laissé m'acheter avec des bonbons. Je t'ai laissé m'acheter avec des bonbons. Il a volé un cadeau important pour le cacher. C'est bien son genre. Je peux même pas quitter mon poste pour le chercher, c'est pas juste. Et si je le trouve pour toi, tu me laisseras passer? Je sais pas. C'est quoi? J'ai mérite pas ma loyauté. Trouve mon cadeau et tu peux passer quand tu veux. Marché conclu. Est-ce que je fais avec? Oui, halte. Ah oh oui, non, mais GG, je sais pas si je mérite un GG quand même. Parce que bon, j'ai un peu traîné là. Hein. On dit que si tu la croises dans la rue, elle te donne des cookies. Elle est super gentille. Mais Jonky, il doit tout le temps l'aider. Ok. Attends, c'est ouvert là. Salut, petit lapin. Ça doit être un fun de rester comme ça dans votre cage, hein. Des matériaux divers, je crois que le fermier s'en sert pour réparer les abris des animaux. Non, c'est l'autre bouton. La maison des abeilles domestiques. Elle pique, pas moins que des sauvages. L'un des tests de bravoure de rouge était de plonger la main dans le trou. Évidemment, j'ai jamais fait. Fouiller la rue, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Hein. Hein? Elle est vide, pas la moindre abeille. Mais j'ai trouvé une clé par contre. Une clé rouillée. Je veux pas de gosse dans mon champ, oust. Toujours un plaisir, lui. C'est clair. Ok.
Ok, même par là, tu veux pas me laisser passer. Bon, du coup, on a une vieille clé rouillée. Sur quoi on va trouver la vieille clé rouillée? Ah, le monstre arrive. Je veux pas voir les autres, ils ont été méchants. Nya 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 nya. Tu veux jouer à l'invasion des monstres avec moi? Non, pas pour l'instant. Je peux continuer de poser des questions? Ok. La clé rouillée, elle va pas là-dessus par hasard? Non, c'est pas ce bouton-là. Parfait, voyons voir. Un tas de ferraille rouillée. Un marteau. On a un marteau. Un crochet. La vieille dame est partie? Une caisse. Bon, par contre, je sais pas trop où aller ni quoi faire pour le moment. J'avais pas fait sur le chapeau, je crois. Allez, youpi. On part d'en bas. Bonjour Jarod, bienvenue à toi. Raté. Raté. Ça me va pas non plus. Mais là, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Je vais pas y... ça va pas être ça, ça va pas être ça, ça va pas être ça. Faut que ça tourne, faut que ça tourne, faut que ça tourne. Attends, je vais tester un truc. Ah non,
Je te dis que cela, j'ai du mal. Ça, c'est ok. C'est raté. C'est pas dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens, donc c'est pas deux. Ça, c'est dans le bon sens. Voilà. Piouf! Il a voulu partir et l'autre il est attaché. Oui, Cookie l'a streamé, Jarod. Donc on est sur Children of Silent Town et on suis un petit peu un petit peu au début puisqu'on a joué quand même 3 heures dessus. Hein. Impossible, c'est trop serré. Comment est-ce que je pourrais défaire ça? Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Je vais peut-être pas... Est-ce que tu veux que je te résume un peu où on en est ou pas Donc on joue Lucie. Elle a... Dans une ville où t'as pas le droit de faire trop de bruit. T'as pas le droit de chanter, t'as pas le droit d'hurler, t'as pas... Voilà. Et donc, du coup, il y a des monstres dans la forêt. Et ma maman, elle s'est fait enlever par les monstres de la forêt. Du coup, là, j'en suis... ma maman s'est fait enlever et moi, je suis sortie de la maison parce que... Il y en a une qui est venue et elle a dit « Je veux voir ton papa !» Donc du coup, on s'est échappé de la maison et on est sorti mener l'enquête. Très bizarre comme résumé ça. Donc t'as toute une bande de gamins. Et là, c'est la... C'est tous ceux qui sont disparus. Donc, ouais. À peu près. Bon, va falloir que je trouve la suite. Parce que...
Un petit bout, c'est qu'on on sait pas là. Moi, je veux rentrer dans la maison, hein, quand même. Non, mais attends. Hey, j'ai vu une fleur bleue dans le jardin d'olive. Est-ce que ça pourrait être ce dont le vieux me parlait? Mais du coup, je peux faire le. C'est une caisse. Est-ce que ça rentre la caisse? Non, ça rentre pas la caisse. Je vois pas ce que je ferais avec un râteau là-dessus. Et donc, elle mène son enquête pour le moment. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup, Jarod. Pourquoi est-ce que les gens disparaissent? La dame de la rivière dit que c'est leur propre faute. Pourquoi est-ce que les personnes ne cherchent pas les disparus? La dame de la rivière dit que les affiches servent à savoir qui a disparu, pas à les rechercher. Autre indice, la vieille folle connaît la chanson de maman, elle dit lui avoir appris. La vieille folle dit que la forêt était différente autrefois. J'aimerais bien trouver un petit moyen de grimper là. Je sens qu'il faut que j'aille là. Est-ce que je peux combiner? Je vois pas pourquoi je mettrais un râteau là, mais bon. Est-ce que je peux combiner? Non. C'est pas ça, c'est le X pour combiner. Je vais aller là, hein, je vais aller là, je vais aller là. Et donc du coup, ah oui, alors, dans le jeu, il y a des événements qui nous donnent des petites notes et du coup on découvre des petites chansons qui donnent deux pouvoirs. Pour le moment, un pouvoir de savoir un peu lire les pensées. Et un pouvoir de souvenir. Et après, tu as une petite collection d'objets que tu trouves. Oui, j'aime bien quand il faut farfouiller, chercher un petit peu. Mais je te dirais que le principal pour moi, ce que j'aime bien dans ces jeux, c'est qu'il y a une histoire. Ah, si tu me fais une histoire, c'est bon, je refais. Bon, du coup, toi, t'as pas plus non plus à me dire. Je peux te les emprunter une minute? Mais c'est ça, je sais pas. Je te les rends tout de suite. Ma mère deviendrait folle si elle apprend que j'ai prêté ses outils à une amie. J'ai plus envie d'avoir des ennuis. Tu parles à la fois où tu m'as prêté les casseroles de ta mère contre un panier de cerises. Oui, et d'autres fois aussi. Je passe toujours l'après-midi à me faire gronder avec des idées. Mais t'adores les cerises. Oui, mais je plaisante pas, Lucie. Maman a toujours un œil sur moi et je veux pas d'ennui. Bon, d'accord, j'ai compris.
elle m'énerve, elle peut me passer les cisailles là. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Toi, tu veux pas. Tu veux pas que je te donne le râteau? Oui, non, mais ça m'a. Je l'avais fait ça tout à l'heure, non? Oui, je l'ai fait. Ça m'a rien donné. Faut pas le faire sur les lapins. Faut pas le faire sur les lapins. Pardon, j'ai encore mes crises d'atchoum, ça va être beau ça. Oui, je sais, tu veux pas que je passe. Tu m'enquiquines. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Un atelier. Et je peux faire des choses sur l'atelier, non? Ça, on tourne ce truc. Il reste que quelques boulons, mais ils doivent sûrement être inutiles. J'ai hâte qu'il ait fini, j'en ai marre d'aller au puits sans arrêt. C'est tout ce que tu me racontes, toi? Alors là, je suis un peu coincée, mamie, là. Non? Pourquoi t'as refait demi-tour? Oh, il est plus bavard que certains. Il y en a... ils disent rien. Hein. Je ressens toujours quelque chose d'étrange quand je regarde la forêt. Ça me fout les jetons. Et elle veut pas m'échanger... les cisailles contre la poupée, elle, je sais pas. Lui, il veut pas jouer à la poupée. Tu veux des cookies? Non. Thank you.
Mais ça, on l'avait déjà fait. Tu veux bien des cookies? Piou-piou! Bon, pardon, je m'égare. Tu sais pas crocheter les... Tu sais pas crocheter les serrures, toi? Attends, je vais essayer de faire des micmacs avec tout ça, hein. Ce que tu ferais avec des cookies, mais bon. Plante là. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Jeter les cookies. Non, je retourne encore sur le truc. Tu veux une poupée? J'ai pas vu des chaînes ni rien du tout, c'est embêtant ça. Oui, je sais, tu veux pas que je passe. Quand tu arrives à trouver la solution, tu fais non mais c'est bon là, qu'est-ce que tu m'embêtes? Je l'ai fait 50 fois ce truc. Bon, tu l'as jamais fait, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je veux pas rien toucher, je veux faire une échelle.
poupée, papy. Non, je veux pas une poupée. Ça m'embête quand je trouve pas ce qu'il faut faire. Je suis sûre que j'ai oublié un truc. De pas crocheter les lapins pour tout casser. Ah! J'ai trouvé! Bon, si on crochète pas, on éclate. Je parie que le fermier va passer la journée à leur courir après. C'était peut-être un peu drastique, mais les lapins en avaient besoin d'air. Ah, ça y est, enfin. Papa travaille ici. Si je me trompe pas. Il a beaucoup appris ici. Tom est pas sympa avec nous, les enfants, mais je crois qu'il s'entend bien avec papa. Il ne vaut mieux pas qu'il me remarque, j'étais pas censée sortir. Mais en fait, je suis sûre que papa, il est même pas là. Miam, des cerises. Elles sont trop hautes. Je pourrais pas convaincre Junkie avec simplement quelques cerises, mais une branche entière, ça pourrait marcher. Ah oui. Aïe, mes fesses. Mais j'ai un paquet de cerises. J'ai fait des dégâts. Désolé, monsieur l'arbre. T'as une pensée, la poule? Non, t'as pas de pensée, la poule. Mais papa travaille ici, oui, ok, d'accord, on a compris. On va peut-être y arriver. Tu veux une branche de cerise? Jonquille? T'as eu ça où? Si ça vient du champ du fermier? J'aimerais trop voir sa tête quand il remarquera. J'ai pas pu voir sa tête, il était occupé à pourchasser les lapins. Non, on t'a fait ça? J'y crois pas. Ha ha ha! Janky, qu'est-ce qui se passe? Parle plus bas, bon sang. Ah, maman. Bonjour, Lucie. Quelle surprise. Bonjour. Tenez-vous bien, toutes les deux. Je veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Promis, nos excuses. Ça aurait pu être pire. Hein. Qu'est-ce que j'en fais maintenant, Lucie? Tu les manges? Et en retour,
Tu veux les cisailles, c'est ça? Oui. Faut bien que tu te libères les mains pour manger, non? C'est incroyable. D'accord. Tu peux les emporter. Mais d'abord, j'ai un souci. Si maman me voit rien faire, elle va se poser des questions. Il faut qu'elle ait l'impression que je travaille encore. Et je peux pas bouger d'ici. Je vais y réfléchir. Attends, il faut que je trouve une solution pour qu'elle bouge d'ici. Ok, j'ai une idée. Sers-toi de ça pour ratisser les feuilles autour de toi. Je suis sûre que ta mère n'aura aucune objection. Oh, bonne idée. Ok, Lucie. Voilà les cisailles. Ramène-les dès que possible, d'accord? Évidemment. Et... Ah oui, les cisailles, c'est pour libérer le chien. Mais rien de dangereux avec, hein. Non, non, on va lâcher un chien dans la nature. Tout va bien. C'est bon, on avance. Comment ça, tu veux pas couper? Comment ça, tu veux pas couper? Ah non, mais j'étais trop, trop contente. Et là, d'un coup... Ah non... Sérieux? Il me faut des cisailles où? Non, je me rappelle pas avoir vu un truc à couper là. Mais attends, je peux pas assez. La forêt est passée inquiétante le jour. Le menuisier, il va tous les jours pour abattre des arbres. Par contre... Cisaille, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce que je fous de cisaille? Ah, je peux pas ratiboiser les fleurs? Qu'est-ce que je peux faire de cisaille? Courez mes lapins libres et heureux.
Enfin, jusqu'à ce que les fermiers les aient tous retrouvés. Ah là 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 là. Ah mais je peux aller là. Un épouvantail effraie tous les oiseaux avec ça. Passion pour la cuisine? Il tient une pelle à pain. Va savoir pourquoi. De près, il est presque mignon. Non, tu fais rien. Pas de souvenirs, je suppose. Pas pourquoi il aurait des souvenirs, le. Qu'est-ce qu'on fait avec une pelle à pain? On tape la vieille et on la fait tomber dans l'eau. C'est pas la pelle à pain ton jouet, toi, quand même. Regarde, c'est ton cadeau, non? Ah si, c'était ça. Oui, Lucie, c'est ça. Merci. Tu te souviens de ta promesse? Bien sûr, tu peux passer. Elle est vieille, n'a pas servi depuis longtemps. Salut Dahlia, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai trouvé un nouvel animal pour faire la course avec Jay. Ah, encore un? Mais c'est déjà qui va gagner. Les animaux de Jay sont tous lents. Les animaux rapides sont trop intelligents pour lui. J'aimerais te parler de quelque chose. J'essaie d'en savoir plus sur les gens qui ont disparu. Tu sais quelque chose? Pas vraiment, ma famille prend tout ça très au sérieux. Personne n'a disparu chez nous. Alors, t'as raté quoi? On a trouvé une pelle. Une pelle de boulanger, on va dire. Et en fait, c'était le cadeau de père qui nous empêchait de passer. Du coup, on vient de passer. Et on peut discuter à tout le monde. J'ai encore grogné parce que je savais pas quoi faire, mais à part ça, tout va bien. Pas loupé grand-chose. Ce genre de personne ne se perd jamais dans la forêt. T'as pas peur que quelque chose arrive quand même? Même si c'était le cas, je m'en moquerais. Ils vivent dans la peur tous les jours. Ça m'insupporte. Sans arrêt, ils parlent d'une relation ou d'un voisin disparu. Ils sont si persuadés que ça nous arrivera un jour. Un jour, je vais aller dans la forêt, voir par moi-même si les monstres existent vraiment. T'es pas sérieux, si? Hé, Jay, t'es déjà allé dans la forêt? Est-ce que t'as trouvé des monstres? Hein? Qu'est-ce que tu racontes, Dahlia? J'ai jamais mis les pieds. Tu me prends pour un fou? Tu sers vraiment à rien. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Excuse Lucie, mais je peux pas vraiment t'aider. Je comprends. T'as déjà vu un monstre? Quoi? J'entends leur voix. Des hurlements? Pas uniquement. Tu veux dire leur chant? Tu les entends toi aussi? Ouais. On dirait des voix, je les entends depuis la nuit où ma mère a disparu. C'est terrifiant et triste. Je croyais être la seule. Tu sais pourquoi t'arrives à les entendre? Je sais pas, mais ça me fait peur.
J'en ai jamais parlé à personne, j'avais peur de... Ouais, je crois pas que les autres les entendent. J'en ai pas non plus parlé à mon père. Coucou, Campi. Non, Campi. Canopy. Ça y... Non, mais elle sait vraiment pas lire ce matin, ça fait vraiment peur. Merci pour ton lurk, Canopy. Ah non, mais c'est dramatique ce matin. Ouais, je crois pas que les autres les entendent. J'en ai pas non plus parlé à mon père. Si j'en parlais à mes parents, ils deviendraient fous, les monstres les obsèdent. Écoute, tu veux parler d'autre chose? Oui, d'accord. Bon, en fait, non. Salut! Non, non, c'était pas pour un lurk, c'est que je croyais que t'étais en train de... Non, ben en fait, t'es pas en train de live, donc non. Oh là là, non mais... Attends, on se remet en place. Merci de nous avoir regardé YouTube. Bien, voilà, la suite au prochain épisode. Je sens qu'elle est carrément à l'ouest, la streameuse. À bientôt, prenez soin de vous, bye bye.